On s'ennuie, Nicolas. Le spleen, l'oisiveté, le cafard. Et que faire? Je n'en sais rien. Une partie d'échecs, peut-être? Si vous voulez. Midi un quart. Je parie que nos invités meurent de faim. C'est plus que probable en ce qui me concerne, c'est effrayant ce que j'ai faim. Mais de vous, je parle même pas, vous n'arrêtez pas de manger, vous avez toujours faim. À vous. Ça y est déjà? Réfléchissez un peu avant de jouer. Moi, je fais ça. Vous avez toujours faim. Vous faites ça? Bien, bien. J'ai faim, chère madame. Quand est-ce qu'on passe à table? C'est monstrueux, un petit petit avec un estomac si gros. Ah oui, je m'étonne moi-même. À vous. Nous étions plus heureux que vous. Notre temps, les mélomanes ne sortaient pas du théâtre. Ils restaient jusqu'à la fin de l'opéra. Oh. Et vous baillez, Sergueï Pavlovitch, vous accapare? Non, mais concluez. Porfiry Semyonitch, il est temps de conclure. Oh, eh bien... etc. Et s'il faut que je donne une conclusion à ce que je viens de dire, ça fait que notre temps, les gens savaient aimer. Ils savaient haïr. Ils étaient donc capables de s'aligner, de mépriser. Parfait. Et de notre temps, donc, ce n'est plus ça? Je crois que non. C'est parce qu'on ne fait plus des gens comme eux que nous vivons une époque physique. Il devrait déjà être là, Sergueï, tu l'as envoyé chercher? Deux fois. C'est pas vrai, monsieur Triletsky? Courez! Dites à Vassili qu'il parte à sa recherche. Je fais dresser la table. Je m'en occuperai moi-même. Ah, elle souffle comme une locomotive, hein, cette épicerie. Ce qui fait chaud, le temps est à l'orage. Vous venez du jardin? Du jardin, oui, monsieur. Vous avez vu Sophie? Quelle Sophie? Ma femme, Sofia Igorovna. Je reviens tout de suite, vous en prie, entrez, s'il vous plaît, jeune femme. Ah! Enfin, nous ne sommes plus chez nous. Salut l'honorable assemblée, Sacha. Bien le bonjour, votre excellence. Cruel, grossier personnage. Est-il possible de se faire attendre si longtemps? Vous savez pas que je déteste attendre? Ma chère Alexandra Ivanovna. Enfin, nous ne sommes plus chez nous, merci mon Dieu. 6 mois que nous n'avons pas vu un parquet, un fauteuil, un plafond haut et même un être humain. Tout l'hiver, nous avons dormi dans notre terrier comme des ours. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous revenons à la lumière. Sergueï Pavlovitch. Il a grandi. Il a repris des couleurs. Peut-être un petit peu de blanc. Non. Alexandra Ivanovna. Comment allez-vous? Que faites-vous de vos journées, Alexandra Ivanovna? Asseyez-vous. Sergueï Pavlovitch, mon Dieu, est-ce bien vous? Que sont devenus mes cheveux longs, la blouse et la petite voix de ténor? Dites quelque chose pour voir. Je suis un gros nigaud. Une basse, une vraie basse. Je crois que les morts n'ont plus besoin qu'on prenne de précautions pour parler d'eux. Papa! Deux astres de la constellation du colonel Triletsky. Bonjour mes agneaux, une sable de canon croupe pour notre honneur. Oh mon Dieu, qu'il fait chaud. Oh mon Ipchenka, mon agneau. Salut colonel, ça va, la santé? Ça va toujours, Dieu le supporte et ferme les yeux. Ah ma petite Sacha, quand on vous vise pour la dernière fois, ça va? Quelle joie de vous rencontrer. Absolument charmant. Bonjour Ivan Ivanitch. Oh, quelle horrible chaleur! Non, ne me faites pas de baisement, je vous en prie, cela me met mal à l'aise, je n'aime pas. Les hommages, comment on va? Eh bien, donnez-moi votre main. Inutile. Tiens donc, je n'en suis pas digne. J'ignore si vous en êtes digne ou pas, mais vous n'êtes pas sincère, n'est-ce pas? Pas sincère? Comment savez-vous que je ne suis pas sincère? Vous ne seriez pas venu me faire un baisement si je n'avais pas dit que je n'aime pas cette façon de saluer. En général, vous aimez faire ce que je n'aime pas. Tout de suite des conclusions. Reste tout de suite. Comment va votre éther de cafard, Maria Efimovna? Mon éther? J'ai ouï dire que vous fabriquez de l'éther à base de cafard. Mais pourquoi ne dites-vous rien? Mireille Vassilitch!
C'est vraiment vous? Vous ne me reconnaissez pas, Sofia Yegorovna? C'est naturel. Ça fait 4 ans et demi, presque 5, et aucun rat n'est capable de ronger aussi fort une figure humaine que les 5 dernières années que j'ai vécues. Un peu étrange, n'est-ce pas? Pas possible, mais pourquoi? Pourquoi? Pas plus. Une seule phrase ne pourrait pas suffire pour répondre à votre question, Sofia Livorne. Au moins, vous avez achevé vos études supérieures? Non, je les ai abandonnées. Ah. Mais ça ne vous empêche quand même pas d'être un homme. Pardon? Mais j'ai pas compris votre question. Je me suis mal exprimée. Ça ne vous empêche quand même pas d'être un homme, un travailleur, je veux dire. Eh bien, dans la lutte, par exemple pour la liberté, pour l'émancipation des femmes, ça ne vous empêche pas de servir une cause. Elle se mélange les pinceaux. Carrément. Comment vous dire? Je crois que ça n'empêche pas. Qu'est-ce que ça devrait empêcher? Je ne connais aucun empêchement. Je suis comme une pierre sur la route. La pierre, rien ne l'empêche. C'est elle, l'empêchement. Vous me méprisez beaucoup? Autant qu'un homme qui est de toute son âme la vulgarité, la paresse et les fanfaronnades est capable de mépriser. Moi aussi, dans le temps, j'étais passé maître en indignation. Mais par malheur, tout ça, c'est que des phrases. Des phrases gentilles, mais rien que des phrases. Un brin de sincérité, les fausses notes ont un effet désastreux quand on perd l'habitude. Ne devrions-nous pas cesser notre conversation? Et pourquoi donc on nous écoute avec plaisir et nous-mêmes, nous n'avons pas encore eu le temps de nous lasser? Au contraire, continuons dans le même esprit. J'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue à votre Excellence. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez souhaiter de Dieu. Qui vois-je? L'âme damnée de Satan, le plus horrible des humains, le plus effrayant des mortels. Non, mais dites donc, il ne manquait plus que vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous souhaite la bienvenue. C'est bien la peine. Dehors. Pour tout le monde, disons, c'est que je suis, disons, un criminel. C'est pas tout le monde qui peut le prouver. Ils sont pas très courageux, les gens, maintenant. Ils sont bêtes, pas très malins. C'est-à-dire, ils ont peur de tout. Ils ont peur de prouver, donc. Ils pourraient me faire envoyer au bagne, mais ils comprennent rien de loi. Ils ont peur de tout. C'est que des ânes, les gens, maintenant. Ils veulent tout faire en groupe, en douce. La sale race, des limaces, et d'une ignorance. Ça fait pas d'œil de les voler, cela. Mais elle raisonne, cette crapule. Elle y est arrivée par son intelligence. La sale bête. Il vous fait ça avec une théorie. Quelles ordures la Russie peut-elle donc produire? Vous commencez à divaguer, Mikhail Vassilievitch. Mais cette tête-là, elle aura tous les paratonnerres qu'elle veut. Il vivra bien tranquille. Autant qu'il a vécu, si ce n'est plus. Oui. Et il mourra tranquille. Arrêtez, Platonov! Mikhail Vassilievitch! Ossip, sors d'ici. Ta présence ne fait qu'exacerber les bas instincts de Platonov. Il voudrait me chasser d'ici, mais il n'y parviendra pas. Que si j'y parviendrai, c'est lui ou moi? Ce serait vous à la fin, Platonov. Arrêtez de gesticuler. Et dites-le moi en face. Ce serait vous, oui ou non? Tais-toi, pour l'amour du ciel. C'est indécent. Tu me fais honte. De qui est-ce? Comte Glagoliev. Pourquoi toutes ces cérémonies? Votre fils, Porfiry Semyonitch. Mon fils? Mais comment est-ce possible? Il est à l'étranger. Kirill Porfirych. Mais c'est aimable à vous. Kirill, tu es rentré? Mesdames, messieurs, Platonov, Bengarovitch, Kletsky, tout le monde est là. Même cet énergumène de Platonov. Salut. Honneur et mes respects. Ah, c'est chaud en Russie. De Paris, direct. Tout droit de la douce France. Vous ne me croyez pas? Très loin quoi de faire. Même pas eu le temps de poser mes valises. Ah, ça, à Paris, messieurs. Ça, c'est une ville. Prenez une chaise, monsieur le français. Non, je ne suis pas venu en visite, juste comme ça. Juste pour voir mon père. Alors, comment ça se fait, hein? Non, mais dis donc,
Mais que se passe-t-il? Tu veux qu'on se fâche? L'argent que je t'avais demandé, pourquoi tu l'as pas envoyé? Hein? Nous en reparlerons à la maison. Pourquoi tu l'as pas envoyé? Ah, tu trouves ça drôle? Tu prends ça pour une plaisanterie, tu plaisantes. Messieurs, est-ce qu'on peut vivre à l'étranger quand on n'a pas d'argent? Et comment était-ce, Paris? Toujours à me rabattre les oreilles avec vos 16 000 roubles. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez donc aucun remords quand vous venez mendigoter avec votre dette? Qu'en avez-vous à faire de ce sale argent? Ce que j'en ai à faire, ma bonne amie, c'est qu'il est à moi. Vous avez soutiré ses traites à mon mari un jour, qu'il avait bu quand il était malade. Vous vous en souvenez? Ça compte pas, ma bonne amie. Les traites, c'est fait pour ça, pour qu'on les sorte et qu'on vous paie. Les bons comptes font les bons amis. Mais oui, mais oui. Assez. Cet argent, je l'ai pas. Et je n'en aurai jamais pour des gens de votre espèce. Allez manger. Mais laissons là le commerce. Buvons. Buvons à notre entente. Qu'elles aillent au diable toutes ces combinaisons commerciales pourvu que soient heureux les gens que j'aime. Vous deux, Sophia et belle maman, toute ma vie est en vous. Venez manger les piques assiettes, tout a eu le temps de refroidir. Buvons à la bonne issue de toutes les amitiés. Que sa fin soit aussi douce et lente que son commencement. Nous autres, on est des paysans, on se poudre pas les joues. Faut pas trop demander, faut de l'indulgence. 1, 6, 12. Grand Dieu, quand je pense qu'on dit que les Russes n'ont pas d'argent, où donc as-tu ramassé ça? 50. La dernière fois, Nikolaï Ivanitch. T'es un brave type, Timofey Gordeïch. Mais pas un imbécile, non, mais un grand voleur. Pardon, mais... Qu'est-ce que... Enfin, je n'ai pas dit... Mais pourquoi vous m'embrassez? Je n'ai pas la moindre... Elle a parlé, elle a frappé. Tiens donc, elle s'est dit, je lui sors ça. Je le foudroie, qu'il voit comme je suis maligne. Mon Dieu, elle est toute perdue. Toute perdue. Elle me regarde d'un air bête. D'où Jésus? Vous êtes amoureux de moi? Oui? Oui? Et toi, tu m'aimes? Si. Vous, alors oui! Tu m'aimes, sinon tu ne ferais pas ça, tu m'aimes? Pas le moins du monde, ma jolie, j'aime pas les idiotes. Je suis méchant, hein? J'aime qu'une petite oie, mais juste pour passer le temps. La voilà toute pâle, ses yeux lancent des étincelles. Fais gaffe à qui tu comptes. Vous vous moquez de moi? Elle est capable de m'en flanquer. J'ai ma fierté! Je ne sais pas me salir les mains! Je vous ai dit, monsieur, que vous étiez sur un homme extraordinaire, sur une canaille. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous êtes une canaille extraordinaire. Je vous méprise. Non, je ne pleurerai pas. Mais écoutez, vous ne me comprenez pas. Si vous aviez été libre, je serais devenue votre femme sans la moindre hésitation. Je vous aurais livré la possession pleine et entière de mon excellence. Mais maintenant... Eh bien, qui me dit mot consent, c'est ainsi que je dois le comprendre. Dites, Platonov, dans une telle circonstance, votre silence est indécent. Oublions cette conversation, Anna Petrovna, faisons comme si elle n'avait pas eu lieu du tout, non pas lieu. J'ai 27 ans, je serai pareil à 30, je prévois pas de changement. On s'enfonce dans cette oisiveté graisseuse, cet abrutissement, dans cette indifférence à tout ce qui n'est pas charnel, et puis on meurt. La vie perdue, les cheveux se dressent sur la tête quand je pense à cette mort. Comment se relever, Sophia Igorovna? Vous vous taisez. Vous ne savez pas. Et comment pourriez-vous savoir? Sophia Igorovna, je ne pleure pas sur moi, qu'il aille au diable, ce moi. Mais vous, qu'êtes-vous devenu? Où sont votre âme pure? Votre sincérité, votre soif de justice, votre courage, qui est devenu votre santé. Qu'en avez-vous donc fait? Ou il me tue, ou il m'annonce une vie nouvelle. Je te salue, vie nouvelle, je te bénis, c'est décidé.